Donc, dans un premier temps, pour réaliser par exemple une cuisson, on va simplement nous proposer de régler une température, donc en appuyant sur le petit écran et en réglant notre température via la roulette. On valide cette température en appuyant de nouveau sur la roulette. De régler un temps, donc avec toujours le même principe de je clique dessus, c'est sélectionné et je valide. Nous allons pouvoir gérer également le Oura, des vitesses de ventilation. On va retrouver également en dessous cet écran-là différents types de propositions qui vont nous permettre de faire le préchauffage sur l'appareil, une redescente rapide de température et une gestion de cuisson par sonde à cœur avec la potentielle d'avoir un delta qui va nous permettre de gérer la différence d'écart entre la température d'enceinte et la température à cœur du produit, qui va nous permettre d'éviter de choquer un produit pendant la cuisson. Donc, on va se remettre sur notre écran. Par exemple, si je veux faire une cuisson à la sonde, je clique dessus et je peux, en appuyant sur l'écran, gérer la cuisson à cœur de mon produit. Donc, je vais simplement lui indiquer à quelle température je veux que mon produit soit à cœur. Par exemple, 46, 48, si c'est une viande rouge. Et de pouvoir régler également, donc en validant, et de pouvoir régler également la température d'enceinte pour avoir un marquage plus ou moins prononcé.